Sophie Duhay, Camping Paradis, son ex-mari et père ses enfants est une star de la musique. Au fil des années, Sophie Duhay a su se faire une réelle place dans le monde du petit écran. Après avoir mené une brève carrière dans la politique, la célèbre comédienne a réussi à enchaîner les rôles dans plusieurs séries à succès telles que Joséphine, Ange Gardien, Commissaire Magellan, Meurtre dans le Jura, Crime dans le Luberon, ou encore Jugé sans justice. Ce lundi 11 juillet, la chaîne TF1 rediffuse par ailleurs un épisode de Camping Paradis, où Sophie Duhay incarne le rôle de Brigitte. Côté vie privée, l'actrice est la mère de deux enfants, Rose et Lucille, fruit de sa relation avec Manu Katché. Fait, Sophie Duhay a été mariée pendant une décennie au célèbre batteur et ancien membre du jury de l'émission Nouvelle Star. Mais c'est finalement en 1990 que tous les deux décident de mettre un point final à leur histoire d'amour. Une période particulièrement marquante pour la comédienne. Le divorce avec Manu Katché a été une décision particulièrement difficile à prendre pour l'actrice Sophie Duhay. C'est du moins ce qu'elle a révélé en 2014 dans les colonnes de nos confrères de Gala. Ce deuxième divorce, je l'ai vécu comme un chagrin. Manu est un homme que j'admire. Il m'a fait entendre le monde différemment, a-t-elle confié, non sans émission. Aujourd'hui, le musicien a refait sa vie et semble particulièrement heureuse avec son épouse actuelle. Laurence, qui, elle non plus n'est pas inconnue du grand public. En 2008, cette dernière avait d'ailleurs fait ses premiers pas dans le monde de la télévision en tant que journaliste chargée des interviews dans l'émission 5 dates. Une vie, diffusée sur la chaîne iTélé, l'ancien nom de CNews. Voilà qui a dû rendre son bien-aimé fier.